Bienvenue à Fort Boyard. Quelle journée! Les tigres se régalent déjà. Le bungee la réclame. Mais attention, avec son rôle de médecin, ce serait trop facile pour elle de prendre l'attention de l'élastique. Non, ça prend d'autres choses qui la rendraient blanche jusqu'à ce qu'elle demande miséricorde, avec un peu de risque pour savoir comment réagit une vraie équipe d'urgence. Quant à lui, il est scorpion. Scorpion, on pourrait lui organiser une fête de famille. Il rêve de faire le tour du monde avec son propre voilier, qu'il commence par faire le tour des épreuves dans le temps requis. Ah oui, il aurait souhaité être archéologue. Ça tombe bien, on a quelques fouilles à lui faire prendre, à effectuer. Aujourd'hui à Fort Boyard, l'équipe de Marina Orsini et Serge Postigo. Ben pour une fois que la belle brume arrive de là. C'est bon. Et Guy, je t'ai dit qu'on donne dans la médecine aujourd'hui. Hein? Alors, pour accompagner les deux médecins d'urgence, on a trois étudiants en médecine. Et je vous présente tout de suite Jean-François Plante, bonjour. Pascal Auger. Salut. Et Éric Beauséjour. Oui. Dites-moi donc, tous les cinq, quelle médecine vous avez l'intention d'administrer au fort, là? Mais on s'est dit qu'on opérait. Bon, c'est bon. Serge, Marina, est-ce que c'est comme l'état d'urgence qui est décrété, là? Pas mal. Sauf que là, c'est nous autres les malades. Ça, on n'est pas habitués. J'aime leur façon de voir les choses. Vous êtes mieux d'opérer parce que entre le coup de gong et l'accès à la salle du trésor, c'est 35 minutes, pas plus. Et pour accéder au trésor, vous avez besoin de 5 clés pour ouvrir la salle du trésor. Mm-hmm. Ces clés-là, on les obtient par des épreuves. La première, c'est la rencontre avec le père Foura. Les autres, on va se balader au travers certaines cellules de Fort Boyard. Et ensuite, on aura besoin d'indices pour trouver le bon mot-code. OK? Si jamais on a une bonne réponse avec le père Foura dès la première visite à la vigie, tant mieux, ça vous fait une clé. Ouais. S'il n'y a pas de bonne réponse, eh bien, c'est toi, Pascal, qui va aller à l'eau. Et le père Foura, lui qui a un traité de médecine à lui tout seul, à vous dévoiler, attend avec beaucoup d'impatience Serge. Serge, tu pars avec Alain. N'oubliez pas... Tu vas tout de suite avec Alain? Oui. Vas-y, à partir du... N'oubliez pas, le temps est très précieux. À partir du coup de gong, 35 minutes. Vous êtes prêts? Oui! Oui. La boule. Coup de gong. Pascal, viens avec moi. Je suis en excellente santé, moi. Je vois pas pourquoi on m'envoie à urgence médecin. Je pète le feu. Bon, d'accord, j'ai quelques cheveux blancs, mais il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Bonjour, mon petit Serge. Bonjour. Vous avez votre carte soleil, hein? Carte soleil? Oui, chic and chic. Bon, allez. Non, je l'ai pas amené. Bon, alors c'est pas parce qu'il y a la tempête à l'extérieur qu'il faut perdre son calme. Hein? OK. Écoutez bien. Céleste, c'est la destination... Béatitude. Artificielle, c'est un voyage stupéfiant. Terrestre, on y proposait une pomme. Qui est-il? Pouvez-vous répéter ça? Bien sûr. Oui. Céleste, c'est la destination béatitude. Artificielle, c'est un voyage stupéfiant. Terrestre, on y proposait une pomme. Qui est-il? Et vous me dites... On vous propose, je dis le paradis. Oui. Le ciel. Non, stop, c'est ça. C'est le paradis. Ben voilà, vous y avez accès au paradis. Parfait. Tenez. Ben allez. Merci, papa. Descendez. Ben vous allez affronter l'enfer. Oui. Attends. On va voir. Et bien remonter, lui. Ça vous fait une clé? Oui! Il en manque combien, minimum? 4 ans, oui, 4. Vous n'êtes pas en médecine, mais fort en calcul aussi. Fais-tu un peu de conditionnement physique, toi? Je sais pas si je devrais. Réponds. Tu peux répondre. À l'occasion. OK, ah, c'est ça. Toi, c'est ici que ça se passe. C'est ça. C'est là que ça se passe, oui, au-dessus des épaules. Sanson. Si on te coupe les cheveux, c'est fini. C'est ça. Bon, mais tu vas rester là, mon garçon. Ici. Premièrement, Éric, on va te débarrasser de ça parce qu'on ne veut pas t'entendre.
OK. On veut te voir souffrir. Je suis pas vraiment fort. Ils l'ont pas dit, c'est un saut, ça. Ah, ça, c'est juste de l'air. Ouais. Bravo, Eric, Serge. Tu vas rentrer dans une cellule et en aucun temps, tu vas laisser tomber les cadeaux que je vais te faire. Jamais. Et ça, j'ai l'impression que c'est une bonne chose que d'avoir enlevé tout ce que tu avais sur le crâne. OK. Main gauche ici. Main droite là. Jamais à l'aller okay. comme au retour, ici, hein? tu lâches Attends, ça. Tu lâches jamais, hein? Tu reviens avec les poignées dans les mains, Eric, OK? OK, vas-y. Okay, vas-y. Alors, là, il y a un poids... OK, c'est bon, tu me l'as! C'est bon, la terre! OK, si... Let's go, Eric, come on! Oh, oui, Eric! Utilise tes jambes, Eric! Utilise tes jambes! Oui! Une main à la fois, là. Prends le temps! Un côté à la fois! Vas-y, oui, tu l'as! Prends ton temps! C'est glissant par terre, faut qu'il fasse attention. Là, oui, il... là, OK, faut que tu tournes! Oui! Oui! OK, viens d'enlever le couvercle. La clé devrait être accessible. La clé, là, t'es capable! Il y a les anguilles. Il y a les anguilles qui... Vas-y, vas-y, tire dessus! Vas-y! OK! Regarde-la faut pas lâcher les poignées, là. Garde tes poignées! OK! Faut pas qu'il lâche les poignets. Lâche les poignets. Lâche pas les poignets. Lâche pas les poignets. Lâche pas. On a une autre clé. Yes. Oui, monsieur. Tire, 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 tire. Tire. Capable, come on. Ramasse le tank. Prends tout ton. OK. T'es pas trop décoiffé? Je pense pas. T'as travaillé fort? OK, on donne la clé à Dédé, puis on s'en va tout de suite à la deuxième épreuve. Bravo! Bravo, c'est par là-bas. Bravo! Qu'est-ce que manger du poisson ici? Ça doit sécher vite, par contre, ça. Les étudiants en médecine, est-ce qu'on pratique souvent le transport du blessé en brancard quand ça bouge de tous côtés comme ça? Pas encore, mais ça s'en vient. Ça s'en vient? C'est à quel cours, ça? Pourquoi tu sais que ça s'en vient, toi? Dis-moi pourquoi tu sais que ça s'en vient, toi. Ah, j'ai une intuition. T'as pas peur de te mettre à plat ventre devant ton équipe? Non, bon, non c'est parfait. Je ferais tout pour eux. OK. Ouais, Pascal. OK. Oui, Pascal. Vas-y, Pascal. La clé est au bout, à droite. Toi, tu fonces. Voilà. OK, la clé est au bout des tuyaux. Rentre, Pascal! Prends ton temps, Pascal! Doucement, Pascal, doucement! C'est ça qui tourne. Il va falloir qu'elle mette le plus possible de son poids sur les tuyaux, là. Qu'elle baisse son centre de gravité le plus possible. Elle l'a très bien en ce moment. Tu l'as très bien, Pascal! Qu'elle ouvre ses jambes pour équilibrer le plus possible. Ouvre tes jambes! OK. C'est pas grave, on commence. Fixe la clé. Okay, ouais. Fixe la clé au loin. OK. Puis si elle va vraiment doucement, là, elle va y arriver. OK. Pascal, ouvre tes membres pour avoir le plus d'équilibre possible. OK. Puis vas-y doucement, garde la clé. Puis avance, tu vas l'avoir. Let's go. C'est ça, lâche pas la clé des yeux. C'est ça, ouvre tes jambes grands. Doucement, doucement, doucement. OK, c'est bon, Pascal, c'est bon! Doucement, Pascal! Ça va pas, ça va être difficile. Fixe la clé, vas-y, doucement! Qu'elle se glisse dessus, qu'elle se tire dessus. Quand elle va être rendue là, là la prochaine fois, là, qu'elle se glisse sur le cylindre, avec ses doigts au bout, là, qu'elle se tire comme ça. OK, OK! Glisse! Prends-toi au bout, puis glisse-toi sur le cylindre! Je me prends au bout du gros cylindre! Ouais, oui, oui! Glisse ton corps en te tirant avec tes bras! Ça te rentre! Il reste ce temps-là, fixe va falloir la clé, fixe la clé! Qu'elle se glisse là-dessus, puis là, là, faut qu'elle... Glisse, tire-toi, glisse! Reste bien au centre, garde ton équilibre, vas-y, doucement, puis glisse! Prends tes doigts au bout si t'es capable, puis glisse-toi, tire-toi! C'est ça! Tire-toi, vas-y! C'est pas facile, mais le temps file. Aïe, 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 ça s'en venait. Lâche pas, Pascal, doucement! Let's go! Il te reste pas beaucoup de temps, alors tu commences à y aller vraiment de façon
décidé! C'est beau! Carrément, je parle. C'est ça! Ouais, c'est ça! Dernière tentative. Une dernière fois! Une dernière fois, Pascal! Vas-y, vas-y, vas-y! Faut pas qu'elle niaise, faut pas qu'elle... Avance, avance! Avance! C'est ça, vas-y! Ok, qu'elle s'en vienne, qu'elle s'en vienne! Faites-la sortir! Ok! C'est sûr que c'est... Non, mais amateur d'épreuves, on passe à un autre scalpel. Il y en a qui pensent que c'est je fais tout plein de manœuvres de diversion. Je sens ta mère, ça vient pas ici. Non, on va régler les choses. Il y a des gens qui pensent que je fais plein de manœuvres de diversion pour tromper les équipes. C'est pas vrai. Avec toi, Marina, je vais être extrêmement honnête. C'est vrai que t'as peur des élastiques? Ben c'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai jamais fait de bungee, ça m'a toujours bien impressionné, mais il y a une sorte de bungee qui m'impressionne, c'est celui où on a la tête vraiment en bas, okay. Attachée par les cheveux. Là, tu risques d'avoir la tête en bas, la tête en haut, la tête partout. Non, si t'as peur de l'élastique, c'est pas grave, ici, tu vas avoir peur de plusieurs élastiques. Un trajet, aller chercher un outil, revenir au centre, oui, okay. Débarrer la petite portière dans laquelle se trouve la clé. Okay. Ça va? Oui. Marina, t'es capable. Let's go, let's go, Marina! Marina, au bout complètement! Go, 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 go! OK, là, au bout du cylindre, il y a un outil jaune. Il y a un outil qui est... OK, l'outil jaune! Là, ça tourne. Vas-y, t'es capable. Vas-y, Marine, vas-y! Elle lâche pas, OK, faut pas qu'elle lâche, faut pas qu'elle lâche, faut qu'elle aille au fond. Continue, let's go, let's go! Continue, t'es capable. C'est bon, c'est bon. C'est bon, là! Fais au fond de la salle! OK. Jean-François, pendant ce temps-là, tu grimpes à la vigie, le perforat t'attend. OK, vas-y, Jean-François. Let's go, OK, Marina. Wow! T'es capable, t'es capable! Encore un masse de temps! Là, il va falloir qu'elle fasse attention une fois qu'elle lance les mains de ne pas l'échapper, OK? Une fois que t'as l'outil, Marina, on le lance! Échappe-le pas, Marina! Échappe-le pas, tu pourras pas le récupérer! Là, ça revient. Oui, elle a... Attention! Attends que la clé soit par en bas, pas qu'elle tombe! Ne l'ouvre pas tout de suite! Ne l'ouvre pas tout de suite! Oh, elle tombera pas, la clé est attachée. La clé est attachée. Oui, Marina! Let's go, Marina! Let's go! Tu peux lâcher l'outil maintenant, c'est bon! OK. OK, là, t'es en masse! T'es en masse! Faut qu'elle s'en revienne. Viens-t'en, let's go, let's go! Oui, 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 monsieur! Madame, oui! c'est madame. Elle sort. Je pense qu'elle est sortie. Yes! Les élastiques, ils vont te laisser des traces pour toujours sur les jambes. Hein? Tu vas t'en souvenir toujours. OK, écoutez, moi, je m'en vais avec Pascal au Carlet au cas où Jean-François n'aurait pas l'énigme. Nous autres, vous suivez Dédé pour la prochaine épreuve. Allez-y. Okay! Jean-François, tirez la langue. Oui, un peu. Tirez la langue. Allez. Oh, c'est bien ce que je pensais. Vous faites une allergie aux indices, vous, hein? J'espère que non. Ah oui, bah, vous me prendrez deux énigmes matin et soir et vous me ferez tremper une clé dans un verre d'eau de mer, hein? Oui, docteur. Et puis, ça devrait aller. Écoutez bien. Elles livrent histoire et mystère et font preuve de caractère. Avec un peu d'adresse, elles atteignent la cible souhaitée. Qui sont-elles? Je répète. Elles livrent histoire et mystère et font preuve de caractère. Avec un peu d'adresse,
elles atteignent la cible souhaitée. Qui sont-elles? Les flèches? Non. Les cibles, les projectiles. Non. L'histoire. Allez. Comment? Les livres, bon. Comment? Attendez, allez. Les livres, attendez. Caractère. Ils font preuve de caractère. Bon, Pierre Pintout. C'était les lettres. Mais oui, on écrit des histoires avec des lettres. Chaque lettre est un caractère particulier. Et une lettre avec une adresse se rend à l'endroit désiré. Bah alors? À cause, tu l'as pas trouvé. C'est un peu ventilé, peut-être. Bah oui. Allez, hop, à la mer. Oh, faut pas pleurer, quand même. Tiens, là, je vais le regarder plonger, moi. OK, viens à Pascal. Alors, Jean-François l'a pas eu, tu vas aller chercher la clé. Il y a bien du vent, là, puis de la vague. Tu vois, la clé, elle est là. Ouais. Tu plonges pas, tu sautes, puis tu reviens le plus rapidement possible, OK? Alors, tu fais attention, tu y vas? Okay. Oui. Applaudis bien ces mains-là, montre-moi ça. Non, pas bon. Trop petit. Ah, et une petite tache ici, là. Mais c'est pas grave, on va cacher ça. Ah. Je cache. Moi, là, aujourd'hui, pour toi, Eric, je suis l'homme de tous les cadeaux. Tiens, enfile ça. Et là, tu vas t'apercevoir que tu ne travailles pas avec un scalpel ou un bistouri, OK? Tu vas t'apercevoir que tu travailles avec quelque chose de tranchant. Et tu devras libérer la clé. Mais il faudra d'abord aller chercher l'objet en question, OK? C'est pas une infirmière qui va te passer le scalpel ou un assistant, quoi que ce soit, là. Non, tu la sors toi-même. Vas-y, et Eric. Après ça, tu coupes. Vas-y, Eric! Eric, tu ramasses l'épée? OK. Hey, c'est bon, Pascal. OK, voilà, là, tu vas sortir l'épée de... Force! OK, qui force avec ses jambes. Force, Eric! Qui force avec tes jambes! C'est bon! OK, qu'il fasse attention à pas se blesser avec ça. OK, à chaque non, va t'en, descends. OK, descends. Je coupe la corde. Voilà, c'est ça. Fais des coups toujours au même endroit, Eric. Oui, vas-y. Toujours au même endroit. Attention à pas se blesser. Hein? Oh. Attends. Elle est coupée. Prends le bout qui reste. Vas-y. Elle est après la corde. Attention! Ça s'appelle casser la baraque, c'est ça?
Ça fait deux qui me font ça, là, quand vous sortez, là, cognez pas à la porte, ça précise ouvrir la porte puis sortez. On laisse les gars ici, on s'en va tout de suite à la prochaine. Si jamais je me fais enlever l'appendice, c'est pas toi que je vais voir. Espèce de brute. Il l'a brisé, bien sûr. Merci vous deux, là. Merci vous deux, là. Vous avez l'air de trouver ça un peu trop drôle, à mon goût. Hein? Trop drôle, hein, Marina? On va enlever le micro. Hein? Les deux? Les deux. Les deux. Ah, c'est bon. Okay. Oh, je pense que j'ai un pressentiment. Ça va, bien souvent, quand on transporte sa fiancée, comme ça, on la transporte dans ses bras. C'est pas le cas. Ça va transporter sur tes épaules. Et elle va jouer du bâton. Histoire de vous refaire un peu une beauté dans la chevelure. Ça va? La clé sera au-dessus de votre tête. Avec le bâton, il faut que je frappe, c'est ça? Si tu veux frapper comme ça, Marina, t'as le choix. OK? Il faut que les trucs s'ouvrent, et là, c'est ça. Et que c'est agréable de travailler avec toi. Oui. Let's go, Zachary. Vous êtes capables. Let's go! OK, il doit la prendre sur ses épaules. Okay. Marina, tu dois frapper avec la partie blanche du bâton. Marina, tu frappes sur les parties blanches des loquets. Les parties blanches des loquets. Continuez, continuez. Continuez. C'est bon. Yes, sir. Encore. Yes, c'est bon. OK, on va voir s'ils vont ouvrir la porte. C'est dégueulasse! OK, ben... Hey, j'aimais mieux le poisson direct dans l'eau. Ça va-tu? Ça brûle. Est-ce que vous pouvez nous donner les éléments de la recette, les ingrédients de la recette? Ah, c'est... Il y avait de la menthe. De la menthe, il y a du brinci. Il y a des œufs, il y a de la marmelade. Bon, mais ça fait un bon gâteau. Ça fait un bon gâteau. On a déjà une sixième clé qui va être échangeable contre un indice gratuit chez le Père Fouron. Yes! Non! Ça te va tellement bien, ce rôle de blanche, bleue et verte. Ça va, c'est le drapeau italien, soit des fesses. Jean-François, c'est toi qui s'est déjà caché dans les canalisations pour écouter les conversations des gens? Oui, j'ai déjà fait ça. Petit indiscret. Ah oui. Tu vas payer cher, mon garçon. Là, tu vas écouter les conversations des gens qui sont à l'extérieur parce qu'ils vont te guider. Tu vas faire un trajet aller-retour. On te fournit le moyen de transport, on fournit la position confortable. Tu n'as même pas besoin de te servir de tes mains pour récupérer la clé. Tout se fait mécaniquement. OK, Jeff, ça va être là. Range pas mon Jeff! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oh, le rond! OK, attendez, là, ils vont l'installer, on va juste...
me dire que c'est OK, alors là, c'est parti, Jean-François. Oh, OK, le swing! OK, swing! C'est ça, vas-y! Tout ton poids! Et... OK, avec tout son poids, faut vraiment qu'il brise l'inertie du début, okay, là, puis là, ça va y aller. Vas-y, c'est ça! Come on, let's go! OK, brise l'inertie, puis tu vas être capable là, d'aller jusqu'au bout. Va falloir c'est beau, Jeff! Il va falloir qu'il aille jusqu'au bout, puis qu'il revienne oui. dans... Okay, tu c'est là, ça! Tu vas-y! Oublie pas d'entendre la sonnette des cloches! Alors... Comment, mon Jeff, t'es capable? Let's go, let's go! L'autre côté, l'autre côté. L'autre côté, vas-y. L'autre côté. Oui! Allez, sur, là, faut qu'il fasse sur le oui, côté. Vas-y, dis-le! C'est bon! OK, garde l'inertie. Let's go! Arrête pas! C'est ça! Yes, sir, okay. Ça spin. Alors, avant le deuxième, la deuxième double cloche, il faut qu'il soit revenu au début. Une fois qu'il va être revenu, là, avant la deuxième double cloche, il va être libéré. Puis ça va être, une fois qu'il va être rendu au bout, la flèche blanche va accrocher la clé. C'est ça qui va revenir oublie avec pas, la clé. Jeff! Ding, ding! Attends, ça, c'est ding! Attends, il y a deux cloches, là! Continue dans le même sens! OK! Ouais, reviens! Jeff! Thomas, le temps! Il te reste du temps! Ah, il va l'avoir! Let's go, mon Jeff! Son retour, il y aurait une double cloche. Voilà. Oui, la oui, cloche c'est avant bon. La fin de la clepsydre. Alors là, ils vont le déclencher. Oublie pas la clé, Jeff. Faut que tu prennes la clé. Oublie pas de prendre ta clé. Je pense qu'il va essayer de retrouver son équilibre. Oui. Oublie pas la clé, Jean-François. OK. T'attrapes la clé, c'est bon. Viens-t'en, mon Jeff. OK, il y a la clé. Viens ici! Ça s'appelle l'esprit d'équipe. On donne la clé. Ça, est-ce que je sais compter? C'est une septième clé. Septième clé! On s'en va tout de suite apprendre la salle du trésor. Le temps fuit, Oui, le temps fuit, installez chacun une clé. Voilà. Une clé dans les serrures. Vous en avez au total combien? Sept. Sept clés, OK. Une dans chacune des serrures, là-bas. Il vous en reste donc deux clés. Il y a une personne qui va aller voir le père Foura. Attention, en arrivant à la vigie, vous échangez vos deux clés contre deux cartouches qui renferment chacune un indice. Vous les apporterez à Marie-Soleil. Et ensuite, le père Foura va vous donner trois définitions du même mot, ce même mot correspond à un autre indice. Pascal, t'es attendu tout de suite chez le père Foura. Oh, tu échanges les deux clés. Et rapidement, n'oubliez pas, vous avez 35 minutes et le temps fuit. On s'en va tout de suite à la première aventure. Okay. Les cheveux qui s'envolent, la moustache qui s'affole. Eh oh, les médecins, là, hein? Mettez la fièvre dans le fort. Hein? Allez, hop, vous avez deux indices et vous me donnez les clés. Voilà. Allez, hop, une seule. Merci, non, mon père. Non, les deux, s'il vous plaît. Écoutez bien là, les trois définitions. Hein? On retrouve mon premier indice à l'origine des choses. Le début? Non. Le... L'origine. Mon premier indice possède des droits lucratifs. Des droits lucratifs. Alors, bon, et puis, poète, mon premier indice cherche sa muse. Alors, Pascal,
Vous pouvez me répéter? Non, 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 non. C'est trop tard. À la base des choses. Attends, vous n'avez pas le premier indice. Vos amis vous attendent près des petites araignées. Vous descendez. Et puis, ça suffit. Regardez, je m'en mêle partout, moi. Allez, descendez. Merci. Oh, il y a de la fièvre partout. Tout le monde s'affole, je ne sais plus. Mon livre, c'est... Ah, c'est par là. Bon, alors, l'armoire, de l'autre côté. Le livre est ici, l'escalier par là. Oh, là. Mais pas, on cherche des indices. Qui dit indice, bien souvent, c'est écrit sur des petits papiers. Oui, ben oui. Il faut fouiller, il faut manipuler. Il faut aller rencontrer les demoiselles du fort. Est-ce qu'il y a des jeunes hommes assez galants pour aller rencontrer les demoiselles du fort ici? Les demoiselles du fort? Pascal, l'as-tu? Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais ouvrir ça. Deux, au moins. OK, tiens-en un, voilà. Je peux l'ouvrir? Non, je vais t'ouvrir ça aussitôt que... Alors, ici, on a tout d'abord blanc. OK. Et puis, on a ici... voilà. Tranche. On a tranche et on a blanc. Ça va vite. Le temps continue de s'écouler, okay. Puisqu'il n'y a personne d'assez galant parmi les messieurs pour aller rencontrer les demoiselles du fort, Marina Viesti. Ici. Tu vas te promener, ça risque de coller sur toi. Et tu dois aller toucher pour voir si le papier, il y a quelque chose d'écrit dessus, donc un indice, ou s'il n'y a rien dessus. Mais c'est qui, les demoiselles? Tu vas les rencontrer. C'est les araignées. Tu vas les rencontrer, les demoiselles. Elles ont tellement hâte de te voir. OK, let's go, Marine! Let's go, Marine! OK, vas-y, Marina! Ah, ça m'est collé dessus, en plus, à cause de... Let's go, Einstein! Let's go, Marine! OK, Marina, tu dois ouvrir la trappe! Reviens! Reviens! OK, tu ouvres la trappe, voilà! OK, tu y vas. Vas-y. Vas-y, Marine. Vas-y, Marine. OK, il faut qu'elle les prenne délicatement, qu'elle les soulève. Vas-y. Dessus. OK, délicatement, qu'elle les soulève. Prends-les par en arrière, la dernière patte. Et papa. Par le corps. Vas-y, d'un coup. OK, attends, tu as un mot dessus. Wow! Marina! C'est beau. J'ai des frissons pour lui. Elle a rien eu. Vas-y, Marine! Elle a rien! Des fois, c'est dans un petit... C'est sur un petit rouleau en dessous qui est noir, nous, on le verrait pas d'ici. Elle le voit bien. Vas-y, enlève-la! La langue, ça aide. Let's go, t'es capable, Marina. Prends ta langue, ça donne rien. C'est bon, Marina. Il y en a eu. Il y a le papier, celle-là. Celle-là, le papier. Prends-la, tu vas avoir le mot. Vas-y, Marine, t'as qu'à y toucher, prends-la. Le temps file. C'est ça. OK, faut qu'elle vérifie, faut qu'elle lise. Vérifie s'il y a quelque chose dessus. Y a-tu quelque chose dessus? Oui, un mot. Chevet. OK. Non, pince. OK, alors ça va tout de suite à la prochaine aventure. Chevet. Bravo! Bravo! OK, c'est beau! T'as bien fait ça! On ferme pas de temps, gang! Dévoutant! Mais t'en rajoutes à chaque fois. Mais t'as. Le livre blanc. C'est quoi le livre de mariage? Ah. Le livre blanc. Il reste une aventure à faire. Le temps fuit pendant ce temps-là. Voudrais-tu enlever tes chaussures, s'il vous plaît? Enlève tes chaussures, s'il te plaît. Enlève tes chaussures. Enlève ton micro. Fallait me laver. Serge, écoute bien. Tu vas aller dans une espèce de souterrain, OK? Une espèce de souterrain. Tu vas trouver ton chemin. Et si tu arrives à temps, tu vas finir par voir écrit, là, quand tu vas être à quatre pattes, le nom d'une île. Si tu as le bon nom de l'île, tu vas directement à l'un des quatre coffres dans lequel se trouve l'indice. Si tu arrives en retard, tu devras fouiller dans les quatre coffres au grand complet. On fournit même l'équipement. Qu'est-ce que tu fais vite au départ? OK? Ah, mon Dieu.
Let's go, mon Dieu, je suis capable. Va falloir que tu découvres le chemin au fur et à mesure. OK? Ça va sous l'eau, ça? Ça va sous l'eau. Toi aussi, d'ailleurs. Bien sûr. OK, on a besoin de tout le monde. On a besoin d'aider tout le monde. Attention. Oui. Essaie de ne pas la casser, celle-là. Oui, attention, viens-t'en. Jean-François, de ce côté-ci. Accouchez-vous comme l'autre côté. Attention à vos pieds. Marina, enlève-toi. OK, gars, elle va le côté jusqu'à l'extérieur. Voilà, là, j'y arrive pas. Bon. Allez, les gars. OK, c'est beau. OK. Va vite, mon Serge. T'es capable, Serge. T'es capable. Come on. Tu mets tes lunettes, Serge, et puis tu vas suivre les quatre pièces. Tu vas entrer dans quatre pièces. À gauche ou à droite. Tu vas voir le chemin. Tu veux que tu le découvres au fur et à mesure. Alors, tu plonges, t'hésites pas. Oublie pas que l'eau va monter, fait que tu réussiras pas à voir le message. Fais ça vite. Vas-y, faut que tu trouves le chemin. Vas-y. Plonge. Faut que tu trouves un passage. Peux-tu le voir? On le voit. OK. Il faut qu'il trouve un passage en dessous de l'eau. Il faut que tu trouves un passage en dessous de l'eau, Serge. Plonge, vas-y. As-tu trouvé le passage, Serge? Non! En bas, à ta gauche. Maintenant, c'est... OK, c'est une cloison en bois, Serge. Plonge. À ta droite. Sur ta droite. Derrière toi. Tu y es, là. Derrière toi. OK, je pense qu'il l'a. Ça? Voilà. OK, vas-y, passe la deuxième pièce. OK, dans la deuxième pièce. Il y a quatre pièces en tout. En bas du mur, Serge! Non, c'est pas là. Incroyable. En bas du mur, en bas! Voilà, dans le mur. Oui, voilà! C'est bon, Serge, come on! OK, voilà. Faut que tu trouves l'échelle. Faut que tu montes l'échelle, Serge! Monte l'échelle! OK. Il monte l'échelle. Là, sur son passage, s'il arrive à temps, le nom de l'île. Monte l'échelle! Rapide! Le nom va être écrit de l'île! Vous autres, regardez le moniteur et essayez de le lire si jamais il ne voit pas. Est-ce qu'il a vu? As-tu vu le nom? Descends par les pieds! OK, faut que tu ailles ouvrir les quatre caisses, Serge! Il a pas eu le temps de voir. Oui, il a pas eu le temps de voir le nom de l'île. Ouvre les quatre caisses! Faut que tu ouvres les quatre caisses! Il y a une clé dedans! Faut que tu ouvres les quatre caisses qui sont au fond de l'eau! Au fond de l'eau. Serge, il y a quatre caisses sous l'eau. Voilà, faut qu'il les ouvre. L'indice est dans une de ces caisses-là. OK. L'indice vient de s'autodétruire. Serge, écoute-moi, l'indice. Est-ce que tu m'entends? Non. OK. Serge, l'indice s'est autodétruit! Quoi? L'indice s'est autodétruit! OK, c'est trop tard! On va te retrouver à la sortie! L'indice s'est autodétruit! OK, il est trop tard! On va te retrouver tout de suite, OK? Faut que tu montes! OK, on va te retrouver à la salle du trésor! Allons-y! OK.
Allez, Marie-Soleil, reste pas beaucoup de temps. Très peu. OK. Allez, on peut. Faites attention. Il reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des idées, là? Quelques secondes avant la cloche. Oui, oui. Les livres. Avez... La cloche. Vous avez trois. Blanche okay. et chevet. Il faut, je vous le rappelle, il faut que le mot soit correct et écrit correctement. Oh, okay. Désolé. Okay. Mais voyons, Serge, okay. Je te prie, désolé. Super bien fait. OK. Organisez-vous. L-I-B-R-E. Livre. OK. Let's go. Et on l'a de s'aligner. Let's go. Oui. OK, on fait check. OK. Félindra! Félindra, tête de tigre! En échange de la sixième clé, on a eu tranche, comme dans tranche de livre. En échange de la septième clé, blanc. Comme dans Livre blanc ou Avant projet de loi, les trois définitions nous conduisaient au mot auteur, comme mon premier indice possède des droits lucratifs, donc des droits d'auteur, et à la première aventure, avec Marina aux araignées, on a eu le mot chevet. Donc, le bon mot code aujourd'hui, livre. Font du Nautilus, probablement. Il y en a comme Serge qui font le Nautilus du côté sous-marin. C'est pas facile de s'orienter là-dessus. Hein? Right. C'est vraiment pas facile. Allez, très belle équipe. Vous avez performé de belle façon. Voulez-vous savoir combien vous avez récolté? Oui! Dédé, allez, elle a pesé. Et j'ai hâte de voir. Oh! Wow. On regarde juste en haut de la porte. Wow! Marie, avant, un instant, avant de remettre le trésor, il faut en enlever un peu pour payer l'épée brisée. Là. On va le laisser, savez-vous pourquoi? Parce que ça s'en va. Opération Enfant Soleil, en votre nom. Merci beaucoup de votre générosité. Jean-François, capitaine, tu pars avec ça? Voilà, merci beaucoup. Merci et à bientôt.